Ce mois de juillet est le septième mois de l'année. Et le chiffre 7 se tient comme le chiffre de la perfection, mais aussi le chiffre qui t'introduit dans le repos de Dieu. Je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, je décrète, déclare établi sur ta vie. Car ce mois de juillet, du 1er au 31, Dieu te donne d'entrer dans la plénitude de son repos au nom suprême de Jésus. Je bénis ta vie de la bénédiction de la réussite. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu vas initier de par l'intelligence de Dieu va recevoir maintenant, dans le nom suprême de Jésus, la bénédiction qui va propulser ce projet dans une réussite totale et parfaite dans le nom suprême de Jésus. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sur la planète Terre tout entière, je décrète, déclare et établis que rien ne te résistera dans le nom suprême de Jésus. Tu es fils de prophète, fils de l'Alliance. Que cette parole t'accompagne dans la plénitude du repos afin que toute victoire accomplie à la croix par Christ Jésus à ton égard soit ton plein partage, soit ta pleine portion, soit ton héritage dans le nom suprême de Jésus. Je n'ai qu'à déclarer ta vie sur ta vie que du lundi au dimanche, dans le nom suprême de Jésus, de jour comme de nuit, tu ne manqueras de rien. Je lui-même, par sa grâce, pourvois à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu as tout pleinement en Christ Jésus. Que cela soit une évidence manifeste à ton égard. Dans le nom suprême de Jésus, tu vis en très bonne santé. La santé divine est ton partage. La chevelure, la tête et la plante des pieds, au nom suprême de Jésus. Toute maladie qui a miné ta vie, qui t'a empêché de manifester la plénitude de la joie et d'être un instrument de choix entre les mains de Dieu, maintenant disparaît de ton corps. Au nom suprême de Jésus, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, quelles que soient les maladies qui ont été déclarées incurables, de par l'intelligence humaine, je déclare établi que par la puissance de Dieu, la victoire est totalement ton partage, totalement ta portion, dans le nom suprême de Jésus. Tu peux lever les mains vers le ciel, rendre grâce à Dieu pour cette victoire qui est ton partage, dans le nom suprême de Jésus, rien ne mourra entre ta main. Tous les projets que Dieu t'a donnés connaissent un succès remarquable. Car le vent de la faveur souffle en ta direction dans le nom suprême de Jésus. Oui, le plus petit deviendra un millier. Ce mois de juillet te donne de voir une explosion spectaculaire dans le nom suprême de Jésus. Celui qui était locataire devient propriétaire. Celui qui hier encore pensait qu'il ne pouvait pas accomplir quelque chose, je te vois être établi au-dessus d'une entreprise qui va fleurir, être une source de bénédiction pour plusieurs au nom suprême de Jésus. Oui, tu as été licencié, mais Dieu te donne maintenant de créer des emplois. Ce mois de juillet apporte la plénitude, la révélation de qui tu es en Christ dans le nom suprême de Jésus. Ceux qui se sont moqués de toi vont vraiment être étonnés de ce que Dieu est capable de faire de façon extraordinaire par sa grâce agissante au travers de ta vie au nom suprême de Jésus. Chaque jour de ce mois, du 1er au 31, de dimanche à lundi, je déclare établi sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que chaque jour va s'inquiéter pour apporter à ta vie ce que le ciel t'a réservé. Ce que le ciel t'a réservé totalement, pleinement dans le nom suprême de Jésus. Que l'héritage qui est réservé au fils d'Abraham soit ton partage. Je déclare établi, tu possèdes la porte de tes ennemis. Eh bien, aucune frayeur, aucune flèche qui vole en plein midi ne pourra t'atteindre. L'immunité divine est ton partage et ta pleine portion. Car l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ta vie et t'arrache tout danger. Tu ne mourras pas dans ce crash, pas dans cet accident, pas de ce poison. Ça n'arrivera pas. Ton immunité parle en ta faveur. J'annonce sur ta vie que tu vis la plénitude de tes jours sur la terre des hommes. Quel que soit ce que Dieu t'a réservé, que ce soit une porte ouverte pour le travail, pour le mariage, une porte ouverte pour l'enfantement, quel que soit ce que Dieu t'a réservé pour la promotion, que ce mois de juillet te donne d'entrer dans la plénitude de ce qu'il t'a réservé. Au nom suprême de Jésus, tu ne porteras pas ce vêtement de la honte. Non, tu ne seras pas au sujet de propre et de moquerie. Non, cela n'arrivera pas. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion, car la grâce de Dieu te donne de vivre la pleine embellie que seul Dieu est capable d'orchestrer dans la vie des hommes. Que ce mois de juillet, par la grâce de Dieu, ta vie devient le témoignage éloquent de ce que Dieu seul est capable de faire. Que les gens soient étonnés, estomaqués, quand ils entendront dire ce
que Dieu a fait dans ta vie, que nous entendrons parler des témoignages rares que seul l'Éternel aura accompli à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Oui, les choses rares qui t'ont été réservées te sont révélées, car tu entres dans le repos de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni, personne ne pourra te maudire dans le nom suprême de Jésus. Que le bonheur et la grâce de Dieu soient ton partage de jour comme de nuit. Reçois la force de Dieu maintenant. Reçois la sagesse de Dieu maintenant. Reçois la capacité divine maintenant. Reçois cette onction qui descend du ciel et qui descend dans ta vie maintenant pour te permettre d'accomplir avec brio, avec éclat, la responsabilité que le ciel t'a accordée au nom suprême de Jésus. Par ta vie, les âmes sont gagnées. Par ta vie, le ciel est bien représenté. Par ta vie, la puissance de Dieu est visible. Ta vie est une référence, un témoignage dans ta génération au nom suprême de Jésus. Tu engendres tout ce que Dieu a mis en toi. Je déclare que cette grossesse que Dieu a déposée dans ton esprit, tu ne vas pas l'avorter, tu n'avorteras pas, mais bien au contraire, tu vas engendrer, tu vas accoucher ces projets divins dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Amen, amen, amen. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Oui, la main de Dieu est sur ta vie. Tu peux commencer à danser, tu peux commencer à te réjouir. Quelque chose de nouveau a pris place sous le soleil. Ce qui t'a résisté avant, maintenant t'es accordé. Je déclare ta vie qui est en dévoilement. Ta chair relâche et demande à tout le monde ce qui était caché à l'intérieur. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es une fille, un fils du Très-Haut et personne ne pourra l'occulter. La main de Dieu est sur ta vie. Des témoignages rares sont ton partage, ta portion en cette saison. Ce mois marque la différence. C'est le début d'une aventure extraordinaire. Repose en lui. C'est le mois de ton repos, le mois de la plénitude, le mois de la perfection, le mois où les choses qui ne ressemblaient à rien prennent une forme divine dans ta vie. Dieu amène à perfection dans ta vie ce qu'il a souverainement commencé. Et comme celui qui est l'architecte, le constructeur de ta destinée, on ne mettra pas sur ta vie à démolir, mais plutôt en travaux. Et là, on va dévoiler le chef-d'œuvre divin opéré par sa puissance ce mois de juillet. Les gens verront cette facette de la gloire de Dieu qui était longtemps cachée. Et si c'était déjà visible, ça va atteindre une autre dimension de révélation, de manifestation sous le soleil. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Tu es béni et personne ne pourra te maudire. N'oublie pas, c'est fait pour toi. Allez, demeure béni. On se dit au mois prochain, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit amen trois fois. Amen, amen, amen. Bienvenue, mois de juillet. Apporte dans la vie des saints tout ce qui a été souverainement réservé au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.